Yo, les gens, qu'est-ce que ça, comment est-ce que ça va les gens? Bon, écoutez, moi je viens de remarquer une chose, ça fait une semaine que, en fait, vous pouvez vérifier, hein, c'est sur YouTube, Radio-Canada, hein, c'était des masques, en fait, FFP2, les masques de. Les jetables, là, les masques chirurgiens, les dentistes et tout ça. En fait, dans certaines boîtes, je ne sais pas si dans toutes les marques, mais en tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que dans toutes les marques de ces machins, ils disent que ça ne protège pas les virus. Hein, je veux dire, hein, je veux dire, ça protège pas des virus. Ça, c'est clair et net, ça ne protège pas des virus. Mais les gens, ils se sont dit, ouais, c'est vraiment pour rassurer les gens. Et qu'est-ce qui s'est passé au Canada? Ils ont interdit. C'est pourquoi? Parce que en fait, j'ai trouvé carrément des particules. Alors, ils ont dit que c'est un cousin en fait de l'amiante. Alors, ce qu'ils avaient dit, champignons en France, j'ai trouvé ça dans l'eau des piscines parce que les gens utilisaient des masques chirurgicaux pour aller se baigner parce que c'était obligatoire. Merci Macron. Hein? Bon, en fait, c'est vrai. En fait, c'est pas des conneries. Donc, ils ont été interdits en fait de porter, soit dans un collège ou n'importe où, que ce soit les enfants ou les adultes, c'est interdit de chien interdit. Enfin voilà quoi. Moi franchement, le conseil que moi je vous donne en fait, c'est porter les masques, peut-être en tissu si vous voulez, sur le nez. Mais évitez parce que c'est pas bon, parce que les dioxydes de carbone sont en fait dans vos poumons. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en fait ça plie en fait vos alvéoles dans les poumons. Et j'ai eu quand même le cas de caissière. Maintenant tout ça arrive à un moment donné où il y a de plus en plus de gens qui sont en fait infectés par le virus. Alors, il y en avait qui meurent, alors, leurs parents, mais eux-mêmes non. Là, je pense à un lion du mois de juillet, métalleux, de Lima. Je crois qu'il va devoir vendre sa voiture. Il a besoin d'oxygène, le mec. Il n'a pas le choix. Bon, j'ai partagé partout dans les groupes de métal latin-américain, tout, hein. Tout, tout WhatsApp, tout. Voilà, quoi, il a besoin de thunes, le mec. Il dit qu'il va peut-être le survivre, il sent qu'il. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, pourquoi moi, j'ai pas chopé le virus, simplement parce que je bouge, je suis tout le temps dans la rue, je chante dans les bus, je mange, je descends. Je ne vais pas dans une maison ou une pièce où il y a une fête, où il y a plusieurs personnes. Voilà, et ça ne me donne pas le Covid. Même j'étais en contact avec une amie durant les fêtes de Noël. Elle avait le Covid, j'étais dans sa maison, on a partagé plusieurs jours sa maison. Et moi, j'ai pas chopé le Covid, la vérité. Pas vous mentir. J'ai pas chopé le Covid, quoi. Rien du tout. Rien, je suis tranquille, quoi. En fait, voilà, quoi. Pas eu de problème à ce niveau-là. Donc je crois que c'est parce que mon système immunitaire en fait il est haut, il est très très haut parce que je suis tout le temps dans la rue, puis que depuis toujours en fait, depuis toujours, enfin depuis 2 ans, 2 3 ans, hein, que je jouais de la guitare dans les rues et je chante dans les bus. Le fait que je suis en activité tout le temps, c'est comme une espèce de sport, c'est ça, hein. Ils voulaient interdire le sport, les gens ils aient leur système immunitaire plus bas pour qu'ils crèvent du Covid. Ben ouais, vous demandez pourquoi est-ce qu'ils interdisaient le sport, ben c'est pour ça. Hein. Même si vous êtes deux à courir dans une forêt, c'est interdit. Ben voilà, pour ça en fait. Ils voulaient pas que vous puissiez avoir votre système immunitaire en haut, quoi. Bon, ce genre de type, tout ça, là, ça sert à rien, hein, je veux dire. Ça sert à rien, c'est juste pour pas payer l'amende, c'est tout. Ça ne protège pas, c'est simplement parce que les gens, faut les rassurer. Mais bon, il y a des gens, voilà quoi, ils rentrent dans la parano quoi. Voilà quoi. Si vous voulez rentrer, je sais pas, moi, il y avait un magasin, style Tambo, voilà, il dit que c'est ouvert, hein, pour rentrer. Hein. C'est un problème. Il faut, comment dire, faut pas y rester trop longtemps. Voilà. Simplement quoi. C'est pareil dans un supermarché, pareil n'importe où. C'est éviter de rester trop longtemps quoi. Et si, lavez-vous les mains et mettez-vous du gel, et respectez les distances. Et oui, et baisez pas de gonzesse, quoi, là. Il y en a que tu connais pas, que t'as pas confiance, et ben,
Voilà, moi ça fait un an que j'ai pas tiré mon coup. Hein. Alors c'est vrai que ça prend, j'en prends un sacré coup sur la tête, c'est pas évident, c'est une sorte de. Bah, c'est frustrant, hein, mais c'est mieux ça ou que j'appe le virus ou que je crève. Moi j'ai pas les moyens de me soigner. Quoique, je pourrais recevoir certaines pastilles gratuites de l'État périen parce que moi j'ai le CIS qui est gratuit en fait. La sécu sociale péruvienne, je l'ai. Je me donne gratuit des pastilles. Mais même, je vais éviter ça, franchement. Parce que te déplacer avec la maladie, bah, si t'es bien malade, c'est bien chaud. Hein. Qui va le faire? Voilà les gens, quoi. Donc c'est un équilibre, après. Simplement, voilà, quoi. Faut chercher l'équilibre. Y a pas le choix. Bon, allez, je vous laisse, hein. Peace. Et souhaitez une bonne chance à mon pote. Et puis arrêtez de mettre ces masques. Je sais qu'en France, c'est interdit, ça, non? Bah, je sais pas, moi. En tout cas, portez-les comme ça, sous la bouche. Il y a le flic, à un moment, tu le mets, hop, après le flic, il part, tu l'enlèves. Enfin, tu le descends, t'as compris? Vous avez compris, les gens? Soyez un peu astucieux, voilà. Allez en compte de ces tarés, il n'y a pas moyen. Donc, voilà, quoi. Il faut être un peu adapté. Allez, moi, je vous laisse. Peace, bonne chance, à plus.